Black Atou, c'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses, il faut avoir un super parcours, même un mauvais parcours pour qu'il finisse bien. C'est un cheval que je pense qu'il peut encore gravir les échelons. Il peut gagner un ou deux quintés cet hiver, je pense. Cayenne, gratte la tête, elle. C'est une jument qui a beaucoup de classe. J'en faisais mon espoir l'hiver dernier, elle a raté son hiver. Là, montée la dernière fois, elle a été distancée. Mais attelée, je pense que ça va aller. Je pense que ça peut bien faire pour cet hiver. Cadence, pareil, c'est une jument au problème l'année dernière. Coup de sang, elle a raté son hiver. Pour moi, elle est en gros retard de gain. J'espère qu'elle ne va pas nous embêter cet hiver avec ses problèmes de santé. Prochaine fois, elle va encore être un peu juste, mais je pense que début décembre, elle sera opérationnelle. Dexter a déjà gagné. C'est un cheval, à mon avis, qui est en retard de gain, qui n'avait jamais été beaucoup arrêté. Là, pour l'instant, c'est un cheval brave en plus, qui fait toutes ses courses, il peut courir caché, aller devant. Je pense qu'il peut en gagner une sur, voire deux. Al Capone de Ouest, c'est un super cheval. C'est un de mes meilleurs chevaux dans les E, mais qui n'est pas encore à maturité pour l'hiver. Il va très peu courir. Je pense deux fois, voire trois, mais pas plus.